Hey, salut tout le monde, Sac à l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite pour trouver les étoiles cachées de la saison 10. Donc c'est vrai que je me suis dit, pourquoi il n'y a pas d'étoiles cachées de la saison 10? Parce qu'il n'y avait pas d'indice, il n'y a rien qui me disait, enfin qui me donnait des soupçons pour trouver les étoiles. Mais en fin de compte, ça existe. Enfin, il y a des indices sur les écrans de chargement, mais j'avais pas fait attention. Donc, premier indice, hein, là, je suis déjà dans la semaine 3. Je fais cette vidéo pour les gens qui font des défis. Hein. Je sais qu'il y en a la plupart, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment faire les défis, qui n'achètent pas, ou alors qui n'ont pas tout simplement les moyens pour acheter la totalité des passes de combat. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire les défis. Donc, allez, tout de suite, on va chercher la première indice. Après, je vous montre au fur et à mesure hein, les indices qu'il faut trouver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi ignorés. Qui avait des indices. Donc, allez, on va aller trouver. Hop, la première indice. Normalement. Parce qu'avant, c'était numéroté. Et maintenant, il n'y a pas de numéro. Donc, du coup, sur les écrans de chargement, c'est mélangé avec les anciens. On est obligé d'aller chercher. Voilà, la première indice. On va agrandir. Donc là, il y a le robot, évidemment, que c'est un truc que je déteste en ce moment. Déjà, d'une, pour les gens qui n'ont pas de connexion comme moi, c'est déjà difficile de finir top 1 sans le robot. Alors avec le robot, maintenant, c'est difficile, enfin, c'est devenu encore presque impossible. Mais bon, pour l'instant, je n'ai fait que deux top 1, on va dire, par hasard. Hein. Donc l'indice, vous allez regarder au-dessus. À droite du maître de la rouille, c'est marqué D2, D3. Et maintenant, il montre bien, hein, il montre bien avec la croix et tout, donc ça doit être au centre. E2, E3. Donc ça, c'est l'indice pour aller trouver, on va dire, quelque chose, c'est une coordonnée. Donc là, c'est le premier indice. Ensuite, on va chercher la deuxième indice. Pour la semaine 2, la semaine 2, on va trouver tout de suite. J'aurais préféré qu'il numérote comme avant, parce que franchement, c'est devenu scientifique maintenant pour trouver les indices, surtout pour les gens qui viennent commencer à jouer Fortnite, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui joue Fortnite depuis 2 ans. Hop, allez, on va trouver ça. On va chercher ensemble. Allez, il est où la deuxième indice? Hop. Hop. Attendez, on va trouver ça vite fait. Donc, pour les indices, je préfère que vous regardiez cette image. Parce que cette image, ça montre tous les indices qui sortent toutes les semaines. Enfin, après, peut-être que je peux me tromper. En regardant bien sur cette image, vous trouvez Open au-dessus du camion protégé. Donc Open, c'est vrai que dans la map, vous pouvez trouver n'importe où Open maintenant, mais ça existe que soit dans le désert, il y a une espèce de restaurant, on va dire, c'est plutôt un fast-food, qui a une station-service, enfin l'ancienne station-service, pour ceux qui connaissent bien l'ancienne map. Ensuite, tout en bas, il y a des fourchettes, etc. Donc, c'est des indices qui sont sur le camion. Donc, vous allez se demander, mais comment il a fait pour trouver tout ça? Donc, c'est à force de jouer, à force de jouer, on se dit, bah, c'est des indices comme ça
qui nous disent, et c'est là que les étoiles qui se trouvent. Donc, on va aller tout de suite aller sur le premier indice, ensuite, deuxième indice, enfin, chercher le première étoile, ensuite la deuxième, et après la troisième pour finir la vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite, mes amis. Donc, allez. La première étoile, on va trouver donc ce qu'il nous a dit et c'est quelque part par là. Bon, allez, j'ai zoomé, mais vite fait. Hop, c'est quelque part par là, donc c'est là, à peu près. Hop, je vais zoomer. Attendez, hop, je vais avancer un peu. C'est là. C'est quelque part par là. Non, je suis un petit peu trop loin. C'est là exactement. Allez, j'y vais. N'oubliez pas de liker parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos, mais vous oubliez souvent de liker. Ce qui, sans vous cacher, ça me décourage un peu. J'espère que vous allez liker cette vidéo et de partager si vous aimez. Donc là, normalement, elle est là, l'indice. Là, sur le point, là où il y a le, c'est gris. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, je ne me suis pas trompé. La première indice, on a trouvé. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième indice, mes amis. Allez, c'est pas par là, la deuxième indice, c'est par là. Enfin, la deuxième étoile. Donc, c'est dans le couteau fourchette. Il faut pas aller trop vite. Je voulais aller trop vite. J'espère que je vais réussir à récupérer l'étoile. Donc, comme tout à l'heure, la deuxième étoile, elle est là où il y a un petit peu de sable, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut bien regarder. C'est quelque part par là. Hop, normalement, c'est ici. Voilà, nous avons la deuxième étoile. Allez, on se retrouve tout de suite pour la troisième étoile et la dernière étoile pour les semaines oubliées. Allez. Pour la dernière semaine et la dernière étoile, on se retrouve déjà au bon endroit. Normalement, il est tout juste là, sur le point blanc où je montre. Donc, si j'ai de la chance d'arriver en premier, normalement, je l'aurai. Enfin, j'espère en tout cas que je ne me suis pas trompé d'endroit. Parce qu'il faut chercher ici normalement, mais il y a du monde pour l'instant. Je vais le laisser atterrir. Hop. Donc là, j'ai bien atterri, mes amis, j'ai entendu, voilà, on a trouvé la dernière étoile de la semaine. Donc, en tout cas, mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!